Mon cœur est rempli de joie.
Jean Anderson, au chapitre 92, psaume chapitre 92, 92. Psaume chapitre 92, 92, nous lisons la parole du Seigneur. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche, mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Devant toi, mon Seigneur, mon Dieu, avec la joie, l'allégresse, mon sauveur, parce que nous savons ce que toi tu es pour nous faire, nous savons ce que toi tu as fait pour nous, ce que tu fais, mon bénévole Père Saint, et la grâce d'être encore conduit par ta main, Seigneur. Louange et honneur à toi, oh mon âme et de la joie, mon bénévole Seigneur, et dans ta maison, mon Seigneur Jésus, pour louer ton nom, mon bénévole Seigneur, vous allez qu'il est très cœur encore ce soir, notre bénévole Père, pour nous avoir chanté les chants des Sion pour ta gloire. Béni soit ton Seigneur, Père. Béni mon frère, béni aussi ma soeur, Père. Béni aussi nos enfants, mon bénévole Seigneur. Car nos cœurs se sont levés encore aujourd'hui, Père du Vissant, pour célébrer ton nom avec un cœur plein de joie, mon sauveur. Parce que quand nous étions malades, tu nous as guéris, Seigneur. Oh, quand tu es ton Père, tu nous as retrouvés, mon sauveur béni. Louange et honneur à toi. Être béni, oh notre Dieu. Rédempteur glorieux, Seigneur. Tu as payé le prix pour notre âme, Seigneur. Nous avons trouvé grâce devant ta foi, Seigneur. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, Seigneur. Merci encore pour ce que tu fais encore sur les frères. Louange à ton nom, mon bénévole Père Tissant. Pour nos frères et soeurs, venus tellement de loin aussi, mon bénévole Père Tissant. Que tu sois rassemblé aussi en cet endroit. Les sections aussi en connexion, Seigneur. Ils sont aussi bénis en ton nom, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Pour les soeurs, mon bénévole Père Tissant. Pour les prières en cours, en toute les grâces de notre Dieu. Rassemblés en ces lieux, nous sommes sûrs et certains que tu es avec nous, notre Père. Que ton nom soit exalté. Amen. Nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore ce soir
d'être dans la maison de notre Dieu, comme notre frère Pacho Tengo ce soir, dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Amen. Et nous le remercions de cette grâce qu'il nous a accordée de pouvoir voir un jour qui s'est levé aussi, ce jour où nous étions, où nous sommes, et aussi de ce que ce soir nous sommes dans sa maison pour que nous puissions lui offrir effectivement aussi ce que nous avons, ce qui est la grâce qui nous a donné d'être fils et filles de Dieu, de le célébrer, de le louer de tout notre cœur. Que Dieu bénisse richement nos bien-aimés frères et sœurs, notre frère Marcel, que nous avons la joie de voir. Nous l'aimons beaucoup. Hein. Amen. Ah oui, frère Marcel, que Dieu te bénisse. Amen. Notre sœur Marie, que Dieu te bénisse richement. Amen. Et nous aimons aussi énormément à notre sœur Marie. Amen. Que Dieu te bénisse richement. Elle est venue aussi notre bien-aimé sœur, tu vois Marie, je pense. Oui, elle est là. Que Dieu te bénisse aussi. Amen. Ainsi que la petite, donc la fille de notre sœur. Et nous sommes heureux de pouvoir les voir. Ils ont quitté l'Allemagne pour venir jusqu'ici, alors que lui aussi avoir convenu aussi avec nous ce soir. Nous remercions le Seigneur qui les a gardés sur le chemin. Amen. Nous avons aussi ici ce soir, et la joie aussi, nous avons quelqu'un qui est parmi nous ici. Le Seigneur fait les choses d'une manière assez particulière ici. Et je suis vraiment dans la joie, il s'appelle notre Benjamin, je pense qu'il est là. S'il peut s'élever, ah ben voilà, il est là, vous pouvez le voir. Asseyez-vous, mon frère, vous pouvez vous asseoir. Je suis heureux de pouvoir le voir. Asseyez-vous. Et voilà comment c'est passé. C'était hier. Hier, je me promenais avec le chien et je devais prendre un chemin. Et puis, bon, j'ai dit, je passe par le bois. Et puis, je sors et puis je retourne vers la maison. Donc, j'étais avec le chien et puis je me promenais avec lui. Et alors, voilà qu'on tourne le chemin. Puis, je vois quelqu'un qui était assis sur un banc. Et il était en train de pouvoir lire un livre là. Et puis je me suis simplement, vous savez, souvent, je vois des gens comme ça, moi je continue le chemin avec les chiens, je rentre. Et voilà que là, je l'ai vu, j'ai quand même touché dans mon cœur de pouvoir juste m'approcher de lui. Et il lisait quelque chose. Et je pensais, j'ai dit, Seigneur, c'est tout à l'heure, je pensais, oui. En tout cas, j'ai dit, c'est comme Philippe avec les livres éthiopiens. Il lisait quelque chose. Et alors, je me suis approché et juste, je lui ai posé la question, ce qu'il disait, si c'était la Bible, non, il disait quelque chose qui était en rapport avec le livre des Témoins de Jéhovah. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler avec lui. Et puis, je lui demande où est-ce qu'il habitait. Et puis, il me dit qu'il habite quelque part là. Puis bon, je m'avance avec les chiens, il me dit, bon, ben, on peut avancer ensemble. Je lui dis, non, il n'y a pas de problème, hein. On s'avance. Et puis, je lui dis, bon, on va passer par... peut-être ce chemin pour que je vois, vous dit non, on va chez vous, je veux aller voir où vous habitez. C'était gloire à Dieu. Amen. Et nous sommes arrivés jusqu'à chez moi à la maison, et on est rentré, on était assis, donc on a parlé. Et je lui ai parlé de la parole de Dieu. Amen. Je lui ai montré effectivement combien la Trinité n'est pas de la parole de Dieu. Amen. Et l'homme, quand je lui parlais, il avalait. Amen. Et il acceptait, il dit, mais c'est vrai, il acceptait effectivement. Et quand je l'ai invité de venir à l'assemblée, et il n'a pas dit non, il était pressé. Depuis 14h45, il m'attendait chez lui pour aller les chercher. Amen. J'ai dit, c'est le retour, mon frère. Il dit, non, je suis prêt. Amen. Voilà, c'est mon frère Michael qui est allé chercher. Amen. Et nous sommes heureux, nous sommes dans la joie, c'est qu'il soit là. Nous allons prier pour nos frères qui sont venus de loin, et aussi pour notre frère, aussi Benjamin, pour que le Seigneur, notre Dieu, apporte la grâce. Précieux Sauveur, volonté de vraiment merci. Merci de ce que nous pouvons voir, que nos bien-aimés qui tellement si loin, avec un désir, avec un empressement, la vie en fait de nous puissions avoir la communion avec Dieu dans ta maison. Je connais la cause de mon frère Marcel, ma sœur Marie, aussi ma sœur Marie, mon père, c'est Dieu aussi, mon bien-aimé frère, mon Dieu, ma sœur Marie-Ange aussi, mon bien-aimé frère. Nous te remercions parce que, par quel fait, nous avons donné aussi des frères et des sœurs. Nous pensons à notre bien-aimé frère Bernard aussi, parce qu'il s'en aime beaucoup. Ma sœur aussi, Marie, aussi, les dans la famille. Nous prions aussi pour vous, que les frères de l'histoire, la famille, la famille, pour moi. Pour rendre l'honneur à ton sœur, pour ce que toi tu fais. Béni soit-il encore, je ne fais pas la licence, ils ont pas pris, mais ne fais pas la licence, mais dans ces lieux, béni richement, mon bien-aimé frère. Nous déprions aussi pour prisonniers, frère. Mon Dieu, tu les connaissais, toi, dans ta pensée, pour moi. Parce que ce soir, il est ainsi dans ces lieux. Ne pas imaginer qu'on venait dans cet endroit, mon bien-aimé frère, qui sort. Et la pluie à ta bonté à toi, pour le temps d'une épée. Tu l'as fait au moment de rire, frère. Nous prions pour lui, mon bien-aimé frère, qui sort. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié en toi ce soir. Parce que tu
tu n'as pas choisi. Tu es toujours le même Dieu qui conduit ton peuple, Père. Afin d'avoir de la puissance de la victoire, nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur des sauveurs Jésus-Christ. Amen. Que son Saint-Nom soit béni. Amen. Nous sommes heureux car nous, lorsque nous nous rassemblons, nous savons qu'il est là. Et car nous savons qu'il est là, que Dieu bénisse ma soeur Angèle. Car nous savons que lorsqu'il est là, il nous conduira, il agira aussi et il nous parlera. Parce que nous avons un Dieu qui a fait la promesse qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Et sa promesse est toujours vraie. Et il est un Dieu qui tient réellement aussi à sa promesse. C'est pourquoi nous savons que lorsque il dit une chose, il veille à ce que cela soit vraiment aussi accompli. Amen. Nous voulons donc prendre les Saintes Écritures. Je voudrais prendre avec vous donc le livre de Pierre, 2 Pierre au chapitre 1. Je crois que c'est une écriture que vous connaissez, que nous voulons juste lire ensemble avec vous. 2 Pierre au chapitre 1. Et nous pouvons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. 2 Pierre, chapitre 1, verset 16 jusqu'au verset 21. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez d'abord, tout d'abord vous-même que aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons te dire vraiment merci de ce que nous pouvons dire cette parole, Père. Quelle consolation que nous avons de notre cœur. Réaliser effectivement que tu es vraiment le Dieu véritable. Et que tu veilles davantage et que tu agis encore. Oh, quelle grâce. Amen. On va avoir un Dieu tel que toi tu es, Seigneur. Amen. Tu l'as dit, mon Père, qu'avant toi, il n'a point été formé de Dieu. Et après toi, il n'y aura jamais de Dieu. Amen. Tu demeures le seul Dieu. Amen. Et nous te croyons. Béni sois-tu encore ce soir. Donne-nous encore notre pain quotidien, Seigneur, ta parole de vie, vous bénis les personnes qui nous ramènent encore davantage à toi et nous restons au Père. Béni sois-tu, Père. Prenons encore car j'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez faire ça. Cet homme qui nous parle ainsi, c'est l'apôtre Pierre. Et nous pouvons voir effectivement que c'est un homme auquel le Seigneur a eu à pouvoir lui faire une déclaration qui a une importance capitale, une portée aussi profonde. Et cela à un homme que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir réellement choisir. Vous vous souvenez, dans les Saintes Écritures, dans le livre de Matthieu, je crois que c'est au chapitre 16, je suppose que c'est cela, lorsque le Seigneur posait la question à ses disciples qui étaient avec lui, en leur demandant, mais qui dites-vous donc que je suis, moi, le Fils de l'homme? Posait la question de ce que on disait, qu'est-ce qu'on dit de lui, effectivement, lui qui est le Fils de l'homme. Alors, les disciples ont répondu en disant que les uns disent que tu es Jean-Baptiste ou l'un des prophètes, ainsi de suite. Et puis, il leur posa la question clairement en disant, mais vous, qu'est-ce que vous dites que moi je suis? C'est à ce moment-là que Pierre répondit en disant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, le Seigneur Jésus lui dit que tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé cela, ce
merveilleux. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Le Seigneur a pointé quelque chose qui était vraiment important et c'était donc la révélation. Et vous vous souvenez encore dans les Saintes Écritures, toujours dans Matthieu, au chapitre 11, je pense, quelque chose comme ça, là où la Bible dit qu'il a tressailli de joie et il s'écrie en disant « Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as voulu ainsi, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Nous voulons le lire effectivement parce que c'est dans Matthieu, je pense, au chapitre 11. Matthieu 11, oui, c'est cela. Matthieu, chapitre 11, et le verset 25, il s'écrit. En ce temps-là, Jésus prit la parole et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Et toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut donc le révéler. » Donc là, c'était quelque chose de très important, puisque il a dit, dans ce qu'il venait de dire, effectivement, « De ce que tu l'as voulu ainsi, je te loue, parce que tu l'as voulu ainsi, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as donc révélées. » Alors là, il dit à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. » Cet homme était heureux parce qu'il a vraiment trouvé grâce aux yeux du Dieu Très-Haut pour que Dieu lui donne réellement la révélation, effectivement, quelque chose que les hommes ne pouvaient pas avoir, parce qu'avec l'intelligence des hommes, même avec beaucoup d'études, beaucoup de lectures, on ne peut pas l'avoir. Il faut seulement que Dieu le donne. Et Dieu lui a donné effectivement la révélation qui était importante à la question qui semblait être banale, mais qui était très importante parce que la réponse effectivement nécessitait une révélation venant du ciel, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Et il dit à cet homme auquel Dieu a parlé, qu'il a donné la révélation parce qu'il a dit que tu es heureux parce que tu as reçu cette révélation. Il dit, mais et tu es Pierre, effectivement, et sur cette révélation, pas sur l'homme, sur la révélation que tu viens de recevoir, je bâtirai mon église. Et puis il le dit à cet homme encore, effectivement, parce qu'il était tellement heureux, et le Seigneur était tellement dans la joie, il dit à Pierre, il dit, toi, Pierre, ici, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Amen. Un homme comme vous et moi, il reçoit effectivement cette promesse, effectivement, que le Dieu du ciel lui donne la promesse que je te donnerai, toi Pierre, à cause de la révélation qu'il venait de recevoir. Et parce que ça semblait petit en fait aux yeux des hommes, mon frère et ma soeur, mais aux yeux de Dieu, c'était tellement grand que cet homme ait pu avoir la révélation, parce que regardez comment lui-même le Seigneur l'a dit. Nous retournons à Matthieu chapitre 11, effectivement, et puis nous allons vite revenir dans deux pièces, nous avons. Regardez bien l'avance. Alors il dit, Matthieu chapitre 11, et c'est cela. Et c'est cela. Matthieu au chapitre 11. Oui. Et voilà, il dit ici. Ah ben voilà, il dit ici. Hein, oui, verset 26, il dit, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. J'aime cela. Hein? Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut donc le révéler. Amen. Amen. Donc, c'est personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. C'est extraordinaire. Et puis maintenant, quand il a posé la question à ses disciples, pour qu'on sache effectivement qu'on dit, mais qui est donc ce fils de l'homme, effectivement, personne ne le savait. C'était seulement le Père qui le savait.
Et il a révélé cela à un homme qui était parmi eux, ce n'était pas Jean, ce n'était pas Philippe, mais c'était bien Pierre. Donc, quand il a regardé Pierre, il dit, mais oh, de tous les hommes qui sont ici, Pierre. Donc, Dieu n'a pas révélé cela à Jean, il n'a pas révélé cela à Philippe, effectivement, ou à l'autre, effectivement, mais à toi. Alors, tu es vraiment un homme heureux. C'est que dans les plans de Dieu, Dieu te connaissait. Amen. Et il savait effectivement ce qu'il allait faire avec toi. C'est pourquoi il dit, sur cette révélation-là, je bâtirai mon église. Et toi, Pierre. Parce que regardez, quelle grâce tu as trouvée aux yeux de Dieu. Amen. Toi, Pierre. Parce que mon frère et ma soeur, quand on parle de la révélation, ce n'est pas une imagination, une pensée que tu peux, parce que j'ai une brochure, et puis non, monsieur. C'est une grâce profonde que Dieu t'accorde, toi. Parce que s'il vous plaît, parce que regardez, frère, comment une révélation a changé la vie d'un homme. Cet homme qui était seul, vous connaissez, non? Il était effectivement aussi, là, il dit, mais zélé dans les traditions de ses pères. Aussi impliqué dans cela, comment il faisait, comment il était allé. Donc, un homme qu'on craignait, un homme qu'on respectait, un homme qu'on avait les droits. Mais ces jours-là, sur le chemin de Damas, il y allait déterminé, il dit, mais je sers Dieu, je veux couper la tête de tout le monde, effectivement, et surtout avec le souverain sacrificateur avec moi, la sénatrice, tout ça. L'homme y allait. L'homme, il était vraiment là, il dit, mais je suis dans le bon, j'y vais, effectivement, pour tuer, pour détruire, effectivement, cela. Mais qu'est-ce qu'il nous dit plus loin? Il dit, vous savez comment j'étais auparavant. Galates, n'est-ce pas? Amen. Chapitre 1, rapidement, regarde. Juste là, Galates au chapitre 1. Et c'est celui qui nous dit cela, Galates au chapitre 1. Oui, va. Et puis il nous dit ici, Galates chapitre 1, verset 11. D'abord, verset 10, il nous dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Verset 15, il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils, alors les choses ont changé. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette révélation a fait que toute la vie d'un homme a changé. Et l'homme qui était hier un métier, il est devenu un homme nouveau. Amen. À cause de la révélation. Et cet homme est resté reconnaissant à Dieu de toute son âme. Amen. Si, mais lorsqu'il plut, c'est lui qui m'avait mis à part. Amen. Dès le sein de ma mère, t'es révélé en moi. Donc, chacun de nous ici, qui sommes rassemblés, nous devons reconnaître et réaliser l'importance de la révélation de Dieu. Et si nous sommes de ceux qui faisons partie, effectivement, de ce programme, de ce que Dieu est en train de faire, la révélation pour chacun de nous en tant que fils de Dieu dans ce que nous devons faire est quelque chose de très important. Quand on nous parle en disant que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, il faut que nous nous posions la question de pouvoir savoir qu'est-ce que c'est que la conduite de l'Esprit. Comment est-ce que l'Esprit peut conduire quelqu'un? De quelle manière, effectivement, on peut être sûr que c'est l'Esprit qui nous conduit et qui me conduit, moi, en tant que fils de Dieu? Si je suis fils de Dieu, mais il est en fait certain que la Bible dit que je suis censé pouvoir être conduit par l'Esprit du Seigneur. N'est-ce pas vrai? Alors, comment
est-ce que l'Esprit du Seigneur peut me conduire moi? Et de quelle manière il me conduit? C'est la vérité, non? C'est la question qu'on peut aussi se poser. Regardez, d'abord, on revient à Pierre. Et le Seigneur lui dit quelque chose de tellement merveilleux. Il dit, mais toi, Pierre, pas quelqu'un d'autre, mais toi, Pierre, regardez, frère, il dit, mais je te donnerai, vous suivez, les clés du royaume des cieux. Aïe, aïe. Et puis il dit, ce que toi tu liras, c'est écrit, hein, c'est pour moi qui lis. Regardez bien, parce que c'est pas une imagination ou quoi que, mais bon. Ici, hein, chapitre 16, je pense, oui, c'est ça, oui, Matthieu 16, je pense que c'est ça. Voilà. Ça, nous voyons pas, mais ici il dit, voilà. Verset 17, Matthieu 16, 17, il dit, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur ce roc, donc cette révélation, donc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prendront point contre elle. » Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est merveilleux, frère. Amen. Un homme, quelle joie, quelle reconnaissance. Qu'un homme comme vous et moi entende que les clés du royaume des cieux, les clés, s'il vous plaît, du royaume des cieux, lui seront remis. Parce que le royaume appartient à Dieu, dit, mais je te donne les clés. Toi, Pierre, toi, l'homme, je te donne les clés. Amen. Comment ne pas être heureux, frère? Amen. Ça, simplement par la révélation qu'il vient de recevoir. Mais toi, mon frère, si Dieu t'accorde la révélation aujourd'hui, de qui il est réellement, pas que parce que quelqu'un vous l'a dit. Parce qu'il y a une différence entre ce que quelqu'un vous dit, que vous pouvez aussi entendre, reconnaître, et ce que la révélation que Dieu vous donne sur ce qu'on vous a dit. Amen. Vous vous souvenez? Le Seigneur Jésus-Christ a posé la question à Pilate. N'est-ce pas vrai? Parce qu'il a dit, mais tu es roi? Il dit, mais est-ce que tu l'es dit de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Et puis il dit, mon royaume, et Seigneur dit, mon royaume n'est point ici-bas. Si mon royaume était ici-bas, mais ça veut dire. Alors quand le Seigneur a commencé à parler, quelque chose s'est passé. L'homme a ouvert les yeux. Ce n'était plus maintenant qu'on lui a dit. Lui me dit, mais tu es donc roi. Donc, il a réalisé qu'il avait affaire à un roi. Parce qu'il lui parlait de son royaume. Ce n'est pas parce que ça, les sacrifices sont réunis, effectivement, parce qu'on dit, mais parce qu'il dit, mais on lui a dit, effectivement, mais là, lui-même, effectivement, il est bien conscient que mais tu es vraiment roi. Donc il y a une différence, mon frère, de ce que toi tu as entendu de quelqu'un et de ce que Dieu lui-même, effectivement, t'a fait savoir. Donc on te l'a fait entendre, effectivement, et tu as expérimenté. Il y a une différence. Une très grande différence. Alors Pierre était celui qui a reçu donc. Alors il dit, mais je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et puis nous continuons bien, il dit très bien. Il dit, c'est que tu liras sur la terre, vous suivez, sera lié dans les cieux. Mon frère, ma soeur, Dieu dit à cet homme, dit, toi ici, l'homme, Pierre, ce que tu vas décider sur la terre, tu dis, bon, ça va être comme ça. Là-haut dans le ciel, on le fera aussi comme Amen. Ça. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Cet homme a reçu un pouvoir extraordinaire. Amen. Oui, monsieur. Donc, Pierre pouvait écrire la Bible. Amen. 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 Mais Dieu lui a dit, mais ce que tu vas lier sur la terre. Vous me regardez comme dit mes frères et sœurs. Il dit, ce que tu vas lier sur la terre, ce que tu diras, eh bien on en prendra acte.
Amen. Là où dans les cieux, ça sera comme au nom de Seigneur. Amen. Donc ce que toi, Pierre, frère, ça n'a pas été donné à un prophète. Non, non monsieur. Regardez, depuis de nos frères, il n'y en a pas eu un prophète auquel Dieu a dit comme ça. Alléluia. Que ce que toi tu vas dire, j'en parle là-bas. Non, mais à Pierre, oui. Amen. À cause de quoi? C'est la révélation. Amen. De qui? De cet homme qui était là. Amen. Donc tout le monde regarde avec mépris. Amen. Mais cet homme-là, il dit, mais connaître qui il est. Frères et sœurs. Amen. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit, mais à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, j'ai regardé les autres comme étant de la perte et de la boue. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc cet homme savait la profondeur qui était de connaître ce Jésus qui était méprisable aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Oui, monsieur. Amen. Oui, madame. Ce n'est pas pour rien que quand Paul marchait et qu'il pouvait arriver à des endroits, effectivement, et qu'il priait, il chassait les démons sortaient. Et puis quand les autres venaient, il dit, mais au nom de Jésus que prêche Paul, nous vous ordonnons de sortir. Vous vous souvenez, non? Amen. Les démons les ont regardés, il dit, mais... Paul, nous le connaissons. Amen. C'est sûr, ça. Paul, on le connaît, on sait qui il est. Et vous, qui êtes-vous, effectivement? Donc, il pouvait parler, effectivement, de, au nom de Jésus qui prêche Paul. Mais en fait, mais quand Paul parlait de Jésus, effectivement, il savait. Amen. Amen. Frère, ça, il y a une grâce particulière que Dieu vous a accordée. Amen. Mais que vous prenez la légère, parce qu'effectivement, à force de pouvoir lire et écouter, ça devient comme une musique habituelle. Par rapport aux dénominations, frère, le Jésus que vous avez connu n'est pas le même. Amen. Non, ce qu'il est pour vous, ce qu'il est réellement, ce n'est pas la même chose que ceux qui sont dans les dénominations. Vous avez la plénitude de la parole. Amen. Donc, le Jésus qui vient vers vous, qui vous dit, vous savez qui il est, en fait. Frère et sœur. Mais si toi tu sais qui il est, alors de qui aurais-tu peur? Pourquoi? Alors tu tremblerais parce que tu sais effectivement qui est avec toi. Amen. Alléluia. Tu dois savoir qui est avec toi. Amen. Parce qu'eux ils ne savent pas. Et ils l'ont placé à la deuxième personne, donc deuxième personne de la Trinité. Donc il y a d'abord le Dieu Tout-Puissant. Et puis il est Jésus qui est fils, qui a un peu de puissance. Et puis si on va plus loin, il est toujours dans les bras de Marie. Pour les gens. Mais toi, où est-ce qu'il est? Alléluia. Alléluia. Parce que ça ne doit pas être une histoire où on nous a dit le Dieu Tout-Puissant. Mais toi, tu dois savoir que c'est Jésus, mais ni l'autre que Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Parce que savoir que le posséder, ce que tu possèdes de tout, Amen. C'est plus que toute autre chose. Amen. Quand tu peux voir des hommes qui acceptent que... Vous savez, Pierre, quand on a voulu le tuer, effectivement, les crucifier, on a voulu les crucifier comme ça. Amen. Vous vous souvenez, non? Amen. Pierre ici. Amen. Il a dit, je ne suis pas digne, Amen. Moi ici, Pierre, de mourir comme lui. Non, s'il vous plaît, oh non, Dieu soit béni. Amen. Mettez ma tête en bas, oh non. Amen. Que Dieu bénisse ses hommes, frère. Amen. Frère, les choses que vous prenez les légères, frère, pour eux, c'était important. Amen. Donc, ils savaient ce que cela voulait dire. Donc, pour eux, c'était nécessaire. Alors, il dit, mais ce que tu iras sur la terre sera lié aussi. Ce que tu vas délier, c'est écrit en ce livre-là. Lisons avec vous, hein, je retourne au chapitre 16, ici, verset 19. Il dit, mais ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Amen. Dieu veille sur sa parole. Alléluia. C'est là que nous réalisons. Que réellement que quand Dieu dit quelque chose, vous savez, frère, les dons et les appels de Dieu sont son récompense. Amen. Quand Dieu appelle un homme,
lorsque Dieu vous a appelé, vous, ce que Dieu vous connaissez. Amen. Et s'il vous a donné un don qui est à vous, c'est un don qui est spécifique pour vous. Amen. Si c'est un don, je donne simplement des exemples pour se comprendre. Si c'est, je vais en prendre très long, un autre exemple, probablement pour ne pas. Si c'est un don de pouvoir faire ceci, ne faites pas autre chose que ce que ce don vous a été destiné pour le faire avec. Amen. Bon, je donne un exemple. Juste un petit exemple pour que ce soit peut-être pour n'importe quel. Bon, si Dieu t'a donné un don, c'est ce que je vais donner. Bon, j'ai donné quand même un exemple simple. Mais parce que souvent, ça peut aussi dire, oh, c'est moi, il parle. Non, petit, comme ça. Là. Bon, si Dieu t'a donné. Bon. Et comment je dois faire? Bon, j'essaie de lui donner un exemple. J'ai beaucoup d'exemples, peut-être qu'il y en a, mais je ne veux pas non plus que quelqu'un puisse se dire, oh, non, petit. Et je veux trouver un don. Bon, de pouvoir taper tam tam. Mon tissu, là-bas, va pas penser. Hein, taper tam tam tam, taper tam tam. Tu sens que. Ce tam-tam, c'est le tam-tam sur autre chose. Elle dit, mais comme je sais taper les tam-tam maintenant, je sens que les tam-tam, comme je tape maintenant, je sais maintenant arriver à pouvoir jouer la guitare. Donc je vais prendre la guitare. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu t'a donné l'onction pour taper les tam-tam. Ce qui veut dire qu'il connaissait qu'en toi, tout ce qui t'est constitué, effectivement, il a donné effectivement les éléments nécessaires pour que quand cet esprit vient sur toi, quand ta main tape le tam-tam, ça donne autre chose. Amen. Mais toi, au lieu de te consacrer sur ton tam-tam, tu veux prendre la guitare. Mets tes doigts sur la guitare. Ils ne sont pas les mêmes que les doigts sur les tam-tam. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc quand Dieu te donne un don, il te connaissait avant même que le don ne te soit donné. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc effectivement, que quand ce don t'est donné, lorsque tu restes effectivement dans cela, vous allez voir effectivement que la manière dont Dieu va vous utiliser, ce don va agir aussi dans sa puissance. Amen. À cause du fait que le don est dans son domaine. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Donc effectivement, que cet homme ici, Pierre, Dieu le connaissait. Est-ce que vous suivez? Amen. Si Dieu peut se tenir là et dire à un homme comme Pierre en disant, ce que toi tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux, il devait savoir. Amen. Il devait savoir qui était cet homme. Amen. Et comment l'homme, après avoir entendu cela, comment il allait réagir. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Regardez, frère, je vais revenir là. Regardez. Tout à l'heure, on s'est posé la question, on va savoir. Comment est-ce que le Saint-Esprit conduit le Fils et le Fils de Dieu? Vous vous souvenez, non? Vous avez entendu ce que le Seigneur a dit à Pierre? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dans le livre de Matthieu au chapitre 28, vous vous souvenez? Verset 19, je vous lis rapidement. Matthieu 28. Nous lisons verset 19. Il dit, allez. Faites de toutes les nations des disciples. Vous suivez? Amen. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Amen. Amen. Quand le Seigneur s'est tenu avec ses disciples, Pierre était là, n'est-ce pas? Amen. Mais bon, vous vous souvenez, non? Amen. Amen. C'est Judas l'avait déjà trahi. Je crois que la Bible parle même ici, hein. Ici, quelque part, effectivement, en rapport avec. Oui, c'est ça. C'est dit le 11 disciples. Matthieu 28, c'est dit le 11 disciples à l'heure donc en Galilée. Donc, Judas, c'était un parti, vous connaissez, non? Amen. Alors, quand le Seigneur s'est tenu là en parlant, Pierre aussi était là. Allez, faites de toutes les nations disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas vrai? De la bouche du Seigneur, le Maître, notre Sauveur, de sa bouche, il n'a jamais prononcé les baptisants au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. De sa propre bouche, il a simplement dit, faites de toutes les nations disciples, le baptisant au nom. Il n'a jamais ajouté Père, Fils et Saint-Esprit. Juste, il a dit au nom. Est-ce que vous suivez? Père, Fils et Saint-Esprit, ça a été ajouté effectivement lors de la conçue des Messie. Ce que vous lisez ici dans les Écritures, là, Père, Fils et Saint-Esprit, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'existait pas en fait dans le seul manuscrit. Et l'autre sauveur n'a jamais prononcé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit simplement le baptisant au nom. Donc, dans le nom, n'est-ce pas vrai? Parce que, s'il vous plaît, quand même, si c'était quand même qu'il avait ajouté Père, Fils et Saint-Esprit, vous avez quand même étudié, non? Eh bien, les pluriels seraient quand même avec les S, quand même. Non! Et pourquoi c'est au singulier? Parce qu'ils ont ajouté, ils ont oublié. Dieu veille sur sa parole. Ça, c'est 100% vrai. Dieu que nous servons, il a dit à Jérémie, que vois-tu Jérémie? Il voit, je vois une branche d'amandier. Il dit, je veille sur ma parole. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, madame. Recevoir. Les hommes ont essayé d'introduire. Vous savez, frère, quand... C'est pour ça que l'apôtre Paul, Pierre disait, mais ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues. Amen. Et que la parole de Dieu est de une raison particulière, parce que c'est par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Ah oui, quand vous ajoutez quelque chose à la parole de Dieu, ça ne peut pas marcher. Amen. Bien sûr, parce que c'est quelque chose d'étranger. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'a jamais été dans l'original. Amen. Oui, monsieur, oui, madame. Amen. Parce que si le Seigneur l'avait dit de sa bouche, Pierre devait le faire. Amen. 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 Mais oui, monsieur. Mais oui, madame. Parce qu'il a dit bien, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai inscrit. Amen. Alors, c'est ce jour-là maintenant, le jour de Pentecôte, pas avant, s'il vous plaît. Parce que le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Ah oui, monsieur, combien nous sommes heureux. Alléluia. Parce que si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit du Seigneur, nous ne sommes pas fils. Amen. Mais c'est vrai, mon frère, il a ça. Quel est donc ses pères comme le papa qui est assis ici en face de moi, Jonas, qui ne donnerait pas de directive à son fils Watson, qui ne dirait pas mon fils, fais ça. Ce serait normal. Et qui serait là toujours, Watson, il va aller au marché, il se lève le matin, il dit, voilà, il prend son sac, il va au marché, il va se promener à la gare du Nord, à la gare du Midi, et puis il fait les tours jusque, je ne sais pas moi s'il va à Mousse, il rentre ici, c'est à 1h du matin, et lui, il ne s'occupe pas. Vous trouvez ça normal? Non. Quand Watson doit sortir, il veille. Il va être sur le cartable, qu'est-ce qu'il va à l'école, voit, on te dépose à l'école, il va, et ça, il est à l'école. Le papa surveille toujours parce qu'il doit conduire son enfant, lui montrer effectivement les choses, n'est-ce pas vrai? Amen. Et si toi, tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Amen. D'ailleurs, la Bible est claire. Romains, regardez bien au chapitre 8. Romains au chapitre 8, il dit. Voilà. Romains au chapitre 8, il dit. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. N'est-ce pas? Amen. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il lui appartient. Non. Il ne lui appartient pas. Amen. C'est dans cette écriture qu'on a dit que tout, parce que verset 14 dans cette écriture, dans ce chapitre, c'est sur verset 14 qu'on dit que, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui
Donc, il fallait que les disciples puissent se retrouver là, et parmi eux, il y avait donc Pierre qui était là, ainsi de suite. Et voilà que le Saint-Esprit descendit. Et pendant qu'il est descendu, effectivement, tous ceux qui étaient là, des frères et des sœurs, ils étaient plus ou moins 120, n'est-ce pas? Donc, que ce soit Marie était là aussi, donc tous étaient là, évidemment, mais que ce soit sur les frères et sur les sœurs, le même Saint-Esprit est descendu. Amen. Parce que tous, ils avaient des langues de feu. Amen. Et c'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de la colonne de feu, oh non! Non, monsieur, chacun de vous doit la voir. Amen. Bien sûr, parce que ce sont des langues de feu qui sont descendues. Amen. Écoutez bien, ce n'est pas descendu seulement sur les apôtres, mais sur des sœurs aussi qui étaient là. Amen. Amen. Ils étaient 120 fidèles, tous d'un même accord. N'est-ce pas vrai? Amen. Seigneur, doux maître. Amen. Nous voulons chanter cela après, non? Amen. Donc, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont été tellement remplis parce que c'était comme un vent impétueux. Tous ils étaient tellement remplis de le cœur, l'âme, l'esprit, tout le corps. Amen. Pas simplement l'esprit, mais l'âme aussi. Oh, donc la nature et l'âme étaient complètement, la langue et l'homme, tout ce qui était effectivement brûlé, consumé, c'était Christ, Dieu lui-même qui descend dans son tabernacle. Amen. Et voilà que pendant qu'ils étaient là, remplis effectivement de cet esprit, puis ils ont commencé à parler en langue, comme vous savez effectivement, mais ils titubaient tellement, c'était tellement puissant. Et puis, ils ne sont pas restés tranquilles parce qu'il y en a de ceux-là qui, oh, il faut avoir la discipline. Non, frère, quand nous sommes dans la présence de Dieu, je chante et je loue. Amen. Amen. Oui, frère. Amen. Là où Dieu se trouve aussi la vie. Amen. Comment ne pas chanter Dieu avec allégresse? Amen. Comment ne pas danser dans la présence du Seigneur? Amen. Mais toujours il y a pouvoir le dire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est notre sœur ici, notre sœur ici. Jackie qui m'appelait parce qu'il voulait parler, puis il me dit, mais pasteur, je vais vous dire quelque chose. Elle était toute heureuse et souriante. Je dis, oui, ma bien-aimée soeur, j'étais connu. J'ai eu un appel, effectivement, qui vient du Congo, dans la région province, ici du Chabat, je ne sais pas plus de là-bas, je sais où c'est. Il dit, mais on m'a appelé pour me dire, mais ah, nous avons vu. En tout cas, on ne savait même pas qu'une telle église pouvait exister. Une église qui peut louer Dieu comme ça, on ne pensait pas qu'en Europe pouvait y avoir des choses comme ça. Quoi, il dit, oh, une de vos vidéos sur YouTube nous est parvenue ici. Nous avons vu comment dans votre assemblée vous louez Dieu. Amen. Et quand on a eu effectivement tout le monde là, on a passé un DVD, et puis c'est arrivé au pasteur, le pasteur a dit, cotisez l'argent pour que j'aille en Europe. Elle est là. Amen. Cotisez, faites des. Elle est là la somme. Cotisez, il faut que j'aille dans cette assemblée là, là, là. Amen. Oui, monsieur. Vous savez, là où Dieu se trouve, se trouve la vie. Amen. Alléluia. On n'est pas dans une morgue, en fait. Non. Non, nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. À la maison de mon frère. Amen. Il y a de la joie. Amen. Oh, quand mon frère Isaac prend la guitare. Alléluia. Là où ça ne vaut plus. Amen. Donc là, il vient l'héritier s'y met aussi avec chez moi. On ne sait plus. On voit simplement que le corps commence à bouger. Amen. Même si on se maintient, mais on sent. Alléluia. C'est ce que nous voulons, frère. Nous ne sommes pas dans une mort, mais dans une maison de Dieu. Amen. Où il y a la vie, monsieur. Où il y a l'eau. C'est vrai, frère. Nous voulons louer notre Dieu pour moi. Nous savons ce qu'il a fait pour nous. Ce corps ici restera. Amen. Mon frère, ce n'est qu'une enveloppe. Amen. Ah oui. Par sa résurrection, il a fait de merveilles pour toi. Amen. Amen. La mort n'a plus de pouvoir. Non. Alléluia. Nous avons toutes choses avec nous. Alors, ce jour-là, rempli du Saint-Esprit, c'était tellement merveilleux. Il y avait tellement cette illusion, entendu au bruit, effectivement. C'était, oui, c'était tellement dans une
adoration, c'était tellement merveilleux, c'était tellement puissant et fort que les hommes qui étaient au loin, ils ont entendu le bruit, ils sont venus. Parce qu'il dit, mais de tout temps, Jérusalem, c'est toujours comme la mort, et on voit de minos rebis comme Alléluia. Oh, oh. Mais là, on entend que les murs tremblent. On entend que les gens ne sont pas là, assis dans le marbre, mais ils sont debout. Amen. Il y a quelque chose là-bas. C'est sûr et certain, frère. Là où Dieu se trouve, ça fait bouger le mur. Et ça, c'est vrai, frère. Pourquoi? Parce que cette vie-là n'est pas la mienne, non. C'est sa vie. Amen. Et c'est cela que nous voulons. Alors ainsi donc, ils sont donc venus quand ils sont accourus pour venir voir, ils ont trouvé que oh là 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 là. Et puis en entrant, c'était une atmosphère glorieuse. Oui, amen. Il dit, mais ces hommes, c'est quand même des humains comme nous. Et en plus, ce sont des Galiléens, on le connaît. Mais quelle est cette joie, quelle est cette vie qu'il y a à eux, effectivement, comme cela. Et puis, on les entend. Mais il n'y a pas autre chose qu'on entend, c'est les merveilles de Dieu. C'est extraordinaire. Donc, touché par le surnaturel qui est au milieu d'eux. Amen. Mais regardez comment le Saint-Esprit conduit les choses. Jean était là. C'est pas vrai? Parce que oui, Thomas, et puis bon, Philippe, je sais pas, Philippe, et tout ça, et tant d'autres, effectivement. Ah ben là, sinon. Donc tous étaient là, effectivement. Non, 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 non. Et alors, au moment où ces hommes ici, parce que Dieu avait dit à Pierre, pas à Philippe, pas à Jean, il dit ce que tu liras, parce que je te donnerai les clés du royaume. Amen. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, que parmi les frères qui étaient là, effectivement, il n'y a que Pierre. Pierre qui s'est levé. Ce n'est pas que Pierre s'est dit, Dieu dit qu'il va me donner les clés. Non, il avait même oublié. Amen. Oui, monsieur. Amen. Oui, madame. Parce que ces jours étaient tellement... Parce que les saints étaient dans une autre dimension, autre atmosphère. Mais c'est le Saint-Esprit dans l'homme qui, connaissant les Écritures, Amen. La parole qui a été prononcée pour l'homme, Pierre, monsieur, même si Jean voulait pousser pour aller à la mort, le Saint-Esprit dit, mais pas toi. Amen. Comme il avait l'Esprit du Seigneur, Amen. Il avait senti que non, ce n'est pas ma place. Amen. Alléluia, Amen. Ce n'est pas ma place. Amen. Oh, monsieur, madame, le Saint-Esprit, il travaille en harmonie. Amen. 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 C'est pourquoi ils se sont tous tués, effectivement. Quand Pierre s'est mis debout, quand on a parlé, personne dit, mais Pierre, non, non, attends, Pierre, moi je connais bien. Il dit, non. Le cœur dit, mais donc, tous étaient tellement dans l'harmonie. Mais Pierre s'est mis à parler, et à parler, frères et sœurs. Et la Bible dit que le cœur de ces hommes qui étaient là furent vivement touchés. Vous savez pourquoi leur cœur furent vivement touchés? Parce que ce n'était pas Jean qui a parlé. Ce n'était pas Philippe qui a parlé. Alléluia. C'était Pierre. Amen. Pierre était l'homme auquel Dieu avait donné la parole. Amen. Et qu'il savait que c'était mettre lui parce que les clés allaient lui être données. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Voilà pourquoi quand il a parlé, effectivement, lui il ne savait pas, mon frère, mais le Saint-Esprit, lui, savait. Amen. C'est pourquoi, frère et soeur, vos frères et soeurs, qui êtes fils et filles de Dieu, le Seigneur a dit, ne touchez pas à mes oies. Quand Dieu vous a oint, c'est lui qui vous crée des problèmes. Que ça soit vous, sœurs, parce qu'on peut dire, non, sœurs, vous aussi, parce que quand vous avez reçu l'Esprit du Seigneur, Dieu vous a Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Le jour de Pentecôte, il n'y avait pas seulement que les frères. Non. Alors, le Saint-Esprit n'est pas seulement que pour les frères. Non. Gloire à Dieu. Amen. Et si vous ne l'acceptez pas, vous ne le recevrez pas. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, c'est le Seigneur vous a oint aussi parce qu'il vous a donné aussi le Saint-Esprit. Amen. Votre âme et tout ce que vous êtes, Dieu les tient dans sa main. Amen. Donc effectivement, sœur, puisque Dieu t'a donné aussi le Saint-Esprit, Amen. Donc le Saint-Esprit te connaît.
conduit aussi. Amen. Nos frères aussi, Dieu te conduit aussi, effectivement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si quelqu'un maintenant te crée le problème, toi seul, qui est loin de Dieu. Amen. Alors que Dieu, quand il a loin, effectivement, dans le baptême du Saint-Esprit, il a une tâche avec toi, seul. Oui, madame. Amen. Oui, monsieur. Absolument. Oui, c'est 100% vrai. Amen. 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 Eh oui, ceci est 100% vrai, mon frère et ma soeur. Alors, Dieu, quand il est à moi, il vient aussi de Tunisie avec ce qu'il a placé en toi quand le Saint-Esprit vient sur toi. Tu vas voir, quand vous avez des dons et que vous retenez, mais vous serez jugé. Amen. Amen. La vérité. Amen. Quand vous voyez, comme par exemple nous y sommes, et que nous chantons, nous louons, et qu'une sœur, peut-être que la sœur ne vous plaît pas, et que vous le voyez s'élever, ou je ne sais pas moi, ou chanter, louer Dieu de tout son cœur, si toi tu es comme un béton, il n'y a pas de problème. Et si dans ton cœur s'élève la pensée de pouvoir penser du mal à la personne, fais très attention. Amen. C'est parce que si la sœur ou le frère le fait d'une manière charnelle, ce sera elle qui va être jugée. Mais si c'est le Saint-Esprit qui pousse la personne à pouvoir faire la chose et que Dieu la place dans sa position pour que soit le frère en question ou la sœur en question glorifie Dieu dans cet état, et que toi, puisque tu as été dans l'église catholique ou baptiste, je ne sais absolument rien, on loue Dieu avec deux mesures du secours, et que tu vois la personne qui est conduite comme ça, et que tu méprises la personne, ou que tu parles du mal de la personne, tu n'as pas affaire avec la personne. Amen. Mais tu as affaire avec la personne qui utilise la personne. Amen. Il a dit, ne touchez pas à mes rois. C'est pourquoi il faut faire toujours très attention. Amen. Amen. Très attention. Parce que quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il va le faire agir en fonction du don que Dieu a placé dans la personne. Amen. Bien sûr, monsieur. Bien sûr. Et quand Dieu est en action dans la personne, laissez Dieu agir dans la personne pour cette action-là que Dieu veut utiliser. Ça sera une bénédiction pour vous. Bien sûr, je vous donne un exemple encore. Nous avons des frères, et j'étais encore très heureux, je pense que je demandais qu'on... Nous avons donc nos soeurs qui sont ici, que vous connaissez aussi tous, sûrement. Quand Dieu inspire les cantiques, est-ce que vous me suivez? Amen. Et que la sœur qui a reçu l'inspiration, qu'elle vienne, j'espère, oh non, nous ne sommes pas sûrs que ce soit de Dieu, parce que nous ne croyons pas beaucoup comme ça. Nous avons notre recueil, et ce recueil, c'est sur cela que nous allons chanter. Bien sûr, vous l'avez fait comme cela. Mais vous savez que quand vous faites cela comme ça, vous ne serez jamais béni. Parce que Dieu a voulu utiliser ses dons dans cette orientation-là, parce que par l'inspiration du chant qu'il a donné à la personne, il y a des frères et des sœurs, non seulement que Dieu veut les attirer, mais l'effet d'entendre ce chant, c'est aussi la réponse à leur prière. Donc, le don que Dieu... Parce que d'abord, pour que vous puissiez aussi comprendre, mon précieux frère ici nous a lu un psaume. Vous savez les psaumes, ce que c'est? Ce sont les cantiques. Amen. Vous voyez comment vous êtes... Quand on lit un psaume, vous sautez dans la joie parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Mais c'était un cantique. Amen. Amen. Donc voilà combien ça console. Donc nous lisons. Donc c'est dit que quand Dieu utilise un instrument dans sa dimension d'éternel, c'est pour la bénédiction. Si c'est à ce moment-là ça que le fait, acceptons que Dieu le fasse. Amen. La Amen. Bénédiction va suivre. Amen. C'est ainsi que ce jour-là, effectivement, ce n'était pas à Philippe. Non, ce n'était pas à Jean. Ce n'était pas à Thomas. Non, c'était donc Pierre. Amen. Et quand Pierre s'est tenu debout, qu'il a parlé, effectivement, le cœur est parce que lui, il ne savait pas ce qu'il disait. Il n'avait pas préparé son discours. Amen.
comme aujourd'hui, on sait qu'on a toujours un parchemin, qu'on est là, on connaît les titres. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit vous utilise? Tu connais, quand tu dis chez toi à la maison, dans ton bureau, tu connais la prédication depuis la tête jusqu'à la conclusion. Mais évidemment, où est-ce que le Saint-Esprit va parler, puisque toi tu connais tout déjà? Alors tu as simplement le bout de papier qui est là, tu dis bon, tu lis là, tu lis ici, c'est bon, parce que évidemment on sait que, bon, tu lis les pédales, la tête, et puis continue, puis tu continues, là, là, oui, blablabla, blablabla. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Pierre n'était pas comme ça. Amen. Paul n'était pas comme ça. Pierre s'est tenu debout, effectivement. La preuve, c'est que vous vous souvenez quand même, frère. Quand il est allé chez Corneille, il n'avait même pas préparé la prédication quand même. Non, parce qu'il faut la tête de Bidon. Vraiment, Dieu ne peut rien faire. Pierre est arrivé, il trouve, il dit, mais on m'a dit de venir ici. Et puis, quand il est exagéré, effectivement, il dit, mais lève-toi. Il dit, mais écoutez bien, quand il dit, mais Dieu, il dit, nous a dit, il faut te faire écouter, que tu lui dis ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Est-ce que vous avez vu, entendu que quand il était sur la au-dessus là-bas, que quand la nappe s'est plus, Dieu lui dit, mais quand tu iras chez Corneille, voilà ce que tu vas prêcher, la tête, les pieds et puis les jambes. Non, monsieur, non. Ça, c'est le Saint-Esprit, mon frère. Sois le vase. Alors, il te dit, mais va là-bas, il sait. Il sait que dans ces vases ici, voilà ce que je les ai placés. Oui, monsieur. Il avait été nourri par le maître. Et la parole était placée à chaque endroit. L'homme est arrivé comme ça. Vous savez, frère, la conduite du Saint-Esprit est très, très capitale. Amen. 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 Absolument. Si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, vous pouvez chanter, vous commettrez beaucoup de dégâts. Vous-même, vous devenez un obstacle pour les autres. Sur un certain temps, c'est comme cela que, quand Pierre est arrivé chez Corneille, puis Corneille dit, mais Dieu, dis-nous ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Dieu m'a ordonné. Oui, Dieu t'a ordonné. Il y a des choses que Dieu t'a ordonné. Il va dire, Pierre ne savait pas. Il s'est tenu là. Il dit, mais je reconnais que dans toutes les nations, il a commencé à parler, paf, les sept esprits. Alors les paroles qu'il disait, donc lui, il était là, c'était un micro don. Il parlait effectivement, le Saint-Esprit est entré en action, monsieur. Il a commencé à parler effectivement. Et là, maintenant, lui-même, il dit, il y avait tout le monde qui était là, privé. Tout d'un coup, il dit, mais j'essaie qu'il y ait tout le monde, mais il dit, mais il parle effectivement que le pardon, vous connaissez l'écriture, effectivement. Quand il dit, quand il a prononcé là, le Saint-Esprit qui descend, il voit des gens qui parlent, lui-même surpris. Évidemment, monsieur. Parce que l'homme ne s'était pas préparé, c'était pas la préparation de l'homme. C'était l'action de Dieu. Donc le jour de Pentecôte, voilà que l'homme se tient debout, effectivement, et commence à pouvoir parler, l'action s'est faite. Et puis, arrivez maintenant, s'il vous plaît. Si c'était maintenant, Philippe, pendant que vous écoutez, bon, écoutez, bon, on a assez de toi quand même, Pierre, moi je vais aussi passer, parce que de toute façon, nous sommes tous loin. Vous connaissez Corée Latin, non? Toi, Boïs, tu n'es pas le seul. Nous sommes tous aussi saints ici, car tu n'es pas le seul saint. Vous connaissez, non? Et si Thomas ou Philippe dit, mais moi aussi je suis saint, je sais parler, je peux parler aussi. Et qui s'était mis là. Il a beau parler, il n'y a pas de problème. Il a peu parlé. Oui, nous avons été avec les maîtres, mais pas beau. Et puis maintenant, les hommes disent maintenant, mais homme frère, que ferons-nous maintenant? Parce que toi, Philippe, qui t'étais là. Pierre, tu l'as dit, mais écarte-toi, dis-moi maintenant, il veut donner. Homme frère, oh homme frère, maintenant. Que ferons-nous? Parce que maintenant, ils doivent rentrer le royaume. Fais-les rentrer. Parce qu'ils veulent maintenant entrer. La promesse n'a pas été faite à toi, Philippe. Amen. Alléluia. Amen. Mais la promesse a été faite à Pierre. Amen. Vous allez, frère, c'est très important ça. Donc maintenant, Philippe, maintenant, dit maintenant, oh, oh homme frère, que ferons-nous? À son bar, on dit, mais les tonnerres ont dit, les tonnerres ont été. Voilà le problème, frère. Quand Dieu n'est pas avec vous, c'est l'imagination qui vient. Amen. Amen. Tout à fait. Amen. C'est sûr et certain. Absolument. 100% vrai. Quand Pierre s'est trouvé à la place qu'il lui fallait, quand la parole est sortie, effectivement, quand la question a été posée, il n'a pas hésité. Il a simplement dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'est là qu'il a reçu. Dans quel nom?
C'est là qu'il a reçu. Parce que les clés du royaume des cieux lui ont été données. C'est quoi? Mais c'est la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Là, on a parlé du nom, mais de quel nom il s'agit? On ne lui a pas dit le nom. Mais ce jour-là, il a reçu le nom. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce qu'il avait lié sur la terre était lié dans les cieux. C'est pourquoi dans les saintes écritures, tous ont été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Pierre a reçu la révélation. Amen. Oui, monsieur. Amen. Oui, madame. Amen. Ah oui, monsieur. Gloire à Dieu. C'est cet homme-là qui nous dit, nous tenons pour d'autant plus certain. Amen. Oh oui, il était certain. Amen. La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Amen. Vous savez, quand on lit cela, on court vite. Oh, c'est le message. Mais Pierre, quand il a parlé là-bas, il connaissait le message? Non. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons besoin de nous positionner dans les choses de Dieu. Pour que nous croyons la parole de Dieu. Parce que frères et sœurs, nous disons que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. N'oubliez jamais ce que vous dites. Amen. Et ce que la Bible dit. Amen. Ne répétez pas parce qu'on les répète. Les gens disent, mais vous, vous devez être conscient que c'est vrai qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Si il est le même. Yeah, donc, ce qu'il a fait hier, yeah, la même chose aussi, il doit le faire encore aujourd'hui. Amen. Et cela aussi, avec ceci pour toujours. Amen. Parce que l'Écriture nous montre une chose. Il dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Il dit, mais j'ai vu cette chandelière. Il dit, mais tu as bien vu cette chandelière. Il dit, mais je vois quelqu'un qui me dit, mais il dit, mais le Fils de l'homme, on le voyait où c'est, marchant au milieu de cette chandelière. Alléluia. Amen. Il marchait, il n'était pas comme non, il marchait, donc il vivait. Amen. Donc depuis là, les faits jusqu'à la fin, alléluia, il vit, il accomplit, il montre effectivement que je suis le même, l'alpha et l'oméga, alléluia, la même parole qui était au commencement et ne change pas, monsieur.